Et bonjour tout le monde, c'est Eti. On se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de Planet Coaster 2, dans lequel je vais faire une grosse partie encore de l'entrée. Elle n'est pas tout à fait finie, il faudra faire l'extérieur, mais ça je ferai tout à la fin pour voir comment je vais adapter le reste du parc. Donc on finit l'entrée pour le moment, et on va commencer avec les piscines. Donc, je fais la première piscine. Donc, au début, je voulais faire une grosse piscine avec des toboggans qui descendent au fond dans la piscine. Mais je me suis dit, on va y aller mollo parce que on va pas mettre le truc sensationnel dès le début, on va dire. Et du coup, j'ai fait une piscine, on va dire, pour rentrer dans le bain, dans le parc, on va dire. Dans le sens où c'est une petite piscine normale, je mettrai des plongeoires, je mettrai des petits toboggans, une aire de repos, tout ça. Et voilà. Donc je l'ai fait un peu de forme bizarre pour vous montrer un petit peu comment on fait bah, justement les piscines. Et à la fin, lors du blablatage, je vous montre les options pour faire la piscine, enfin les différentes piscines, et etc. Alors je me suis beaucoup énervé pendant cette partie, je vais pas vous cacher, car clairement ça me saoule de pas pouvoir prendre plusieurs objets à la fois sans passer par une fonctionnalité. Alors qu'avant sur Planezo quoi, j'ai juste appuyé sur CTRL et puis clic gauche sur les différentes parties que je veux mettre en groupe. Là je dois sélectionner un module qui est en bas à droite pour pouvoir sélectionner grossièrement toutes les pièces que je désire et ensuite enlever les pièces que je ne désire pas. C'est la seule façon que j'ai trouvé pour pouvoir faire des groupes d'objets et ça m'a énormément saoulé. Je dois dire que là c'est vraiment pas fun du tout cette partie là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parties jaunes dans le décor. Tout simplement parce que à chaque fois que j'essaye de passer en gris, comme là, comme à un moment vous allez voir sur les tuyaux, j'ai essayé de sélectionner plusieurs fois différents tuyaux, mais ça voulait pas, alors j'ai dû les faire un par un, donc ça m'a saoulé. Dans cette partie-là, quand ça me saoule, en fait, j'arrête. J'ai évité de colorer pour le moment parce que ça m'énervait clairement quoi, pas pouvoir sélectionner le groupe pour le coloriage quoi. Mais je me suis adapté hein, par la suite, hein, j'étais bien obligé. Bref, je râle aussi encore à la fin, de toute façon ça allait le voir, avec la caméra qui n'est vraiment pas bonne du tout. Je comprends pas pourquoi on a mis cette caméra là et qu'on n'a pas mis la caméra de Planezo quoi, qui est parfaite. On pouvait choisir différentes caméras, là on en a que deux caméras qui sont pourries, l'une comme l'autre. Enfin bref quoi. Du coup je vais vous laisser avec l'accéléré et puis je vous reprends à la fin.
Tout le monde. Alors, notre entrée est donc là. Et bienvenue à Glouglou Park. J'aime bien l'entrée. Voilà. Ça, moi, je veux un parc un peu style steampunk au début, aquatique. On arrive ici, donc là, il y a pas mal de trucs. Faut que je cherche les autocollants pour mettre de la saleté et tout. J'ai essayé. Je déteste cette caméra de. Alors. Désolé. J'ai essayé de mettre donc des petites animations là, comme vous voyez. Bon, c'est pas si compliqué que ça. Hop, on peut voir. Hein, c'est une petite chaîne de production que j'ai voulu faire. Faudrait peut-être mettre un petit retardateur ou ce genre de choses, mais on n'en est pas encore là. À côté, je fais le mode carrière, etc. pour apprendre un petit peu comment ça se passe. Pour pas vous embêter avec ça. Du coup, là, vous voyez, on a des petits recoins. On a tout ce qu'il nous faut, en fait. Pour une jolie déco. Hop, 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 on arrive là. On arrive là. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la première piscine. Donc, j'ai essayé de vous montrer un petit peu, en faisant cette piscine, les différentes piscines qu'on pouvait faire. Donc avec cet outil piscine, tellement chiant ces trucs. Donc bon, si vous n'avez pas marqué, ça c'est pour faire une ligne droite. Hop, ça fait une piscine. Ici, c'est donc pour faire l'outil dessin. Donc j'ai essayé de faire un dessin, mais je gère pas encore trop. Ce côté comment ça s'appelle dessin parce que j'ai fait rectiligne, j'aurais dû faire petite courbée. Donc vous avez l'allée que vous pouvez mettre et profondeur de baignoire, profondeur, et vous avez baignade, plongeon et faible profondeur. Donc là il y a faible profondeur et ensuite j'ai mis baignade. Hop. Donc là c'est les formes. Donc vous avez carré, hexagone, octogone, pentagone. Donc j'en ai fait un petit peu là. Les bords arrondis. Alors j'ai essayé parce que... Alors, je peux essayer ici. Ah, je déteste tellement cette caméra. Voilà. Ça fait un petit arrondi. Ce qui est pas trop mal. Voilà. Et je vous jure, cette caméra est tout simplement horrible. C'est... Ça, vous savez, c'est quoi? Ça, c'est les caméras de consoleux, là. C'est chiant. Ah là, je peux pas le faire, tiens. Et là? Là, ouais. Bah écoute, on va faire un petit rond au lieu d'un hexagone, tiens. Ça ira très bien. Enfin, un truc chelou, quoi. Non, je vais remettre mon hexagone. Voilà, parfait. Donc là, vous avez les outils pour personnaliser. Vous avez différents carreaux. Les différents bords de piscine, donc c'est le petit marron là que vous voyez. Là c'est pour les trucs à rivière, les jets, tout ça. Et là pour détruire. Tous les jets latéraux et tout le bordel. Hop. C'est là. Donc machine à vague de 4 mètres, machine à vague de 8 mètres, jet de rivière paisible. Et bien sûr, pour faire une piscine potable, il faut donc des échelles sur le côté. Ah, si vous ne connaissez pas. Mais pas que, il faut des postes de surveillance. Du coup, alors, je vais en mettre... Voilà. Voilà. Puis en plus... Oh, c'est plus grand. C'est large. Ouais, bon. Voilà. Donc voilà, faut mettre ça pour recouvrir en fait quasiment la totalité. Faudra bien sûr mettre des... Ah, punaise. Des petits transats pour faire joli, pour faire reposer les trucs, les gens.
Les petits plongeoires et tout ça, les grands plongeoires, mais donc là ce sera que les petits plongeoires. Puis on mettra un toboggan qui va aller là-dedans, un petit toboggan, on va commencer tout petit. Je sais que je voulais faire un gros toboggan qui fait chut, comme ça au milieu, mais là en fait j'ai envie de faire le truc de base. Parce que en fait ici, quand vous faites une piscine, il va falloir, je vais mettre pause. Je sais pas beaucoup les avances pas. Il n'y a pas de vestiaire. Ah oui, voilà pourquoi ils avancent pas. Manège lieu de service, voilà. Et donc lieu de service pour employer nom. Bah. Oh, désolé, j'ai bugué. Enfin, il est où le vestiaire? Ça c'est mon plan. Château d'eau, ok. Entrée du parc Planet Coaster. Fais voir comment il est. Oh, pas mal. Il est joli. Mais les vestiaires, ils sont où? Ils sont là. Pas du tout. Là, voilà. Donc là, on a un... Hein? Là, je suis pas... Là, pardon. Pouah, je suis fatigué. Désolé, il est 2h du mat. J'étais à fond dans le truc. Donc, faudra mettre des vestiaires. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous pouvez poser. Alors que c'est une route, là. Donc, en fait, là, je vais mettre vestiaire, boutique et tout ça. Je vais faire ici le petit toboggan pour que ça tombe là-dedans. Le vestiaire là, plutôt. Le toboggan pour que ça tombe là. Ici, un petit coin détente. Ça peut être pas mal. Et donc, faut cliquer sur la piscine qui va prendre tout le machin. Et donc là, vous avez le prestige. Il faut que le prestige augmente. Et à la note d'environnement, tout ça. Donc ça augmente en fait. Voilà, voilà. Ouvrir les échelles. Il n'y a pas assez d'échelles. Ok. Donc là, je peux le fermer. On peut l'ouvrir. Mais on fera ça. La prochaine fois, on fera tout ce côté-là. Ici, ça va être un quai de chargement, en fait, un faux quai de chargement, pour faire joli, style steampunk, encore. Il y aura des grillages, une grande partie, tout le long, avec des tuyaux qui passent partout pour faire toujours le style steampunk. Et donc, après la piscine, on va commencer à faire les premiers manèges. Et c'est là que ça me saoule, les manèges, parce que... En fait, il y a trop de filtres et là, voilà, il est là. Depuis un moment, je cherche le vintage et il est là. Et là, si on met le filtre, là, on l'a pas. On n'a pas le thème. Et je trouve ça trop chiant. Parce que là, il y a tous les manèges, il y a 28 éléments. Il faut créer un élément personnalisé. Et je comprends pas pourquoi c'est pas dans le même machin. J'ai beau chercher, mais... Et voilà, je comprends pas. Oh, celui-là en steampunk, ça ferait trop bien. Et ben, on va faire celui-là. Je vais voir comment c'est. Ah ouais. On va faire celui-là proche de ça. On va faire une petite terraformation aussi, parce que faut pas trop que ça soit plat. Mais donc, voici ce qu'il en est. Et je suis assez fier de moi de faire une entrée comme ça dans un nouveau jeu. Je dois dire que c'est pas facile quand même. Donc je suis assez content. Voilà, bref, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.